Ah oui, j'ai l'impression qu'on m'entend puisque j'entends ma chaise grincer. C'est ça. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Me revoilà. Nous étions vus. J'avais fait un live lundi sur Star Wars. Le pouvoir de la force sur PS3. Me revoilà pour la session rétro gaming de la semaine avec 3 jeux PS2 ce soir. Oui, 3. C'était les 3 derniers qui restaient. Mais je pense que ce sera peut-être les 3 meilleurs. Donc honnêtement, les jeux sont plutôt corrects ce soir. Puisque je vous présente. Le chat. Bonsoir, Dieu démon, bonne année à toi aussi, meilleurs vœux, bonne santé, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui sera sûrement meilleure que l'année précédente, je le suis quasiment sûr. Comment ça va, mon cher Dieu démon? Alors, oui, ce soir, trois jeux, donc j'allais vous présenter en premier lieu ce jeu. Je suis obligé à chaque fois d'incliner un petit peu la jaquette. Bon, elle sera. J'ai pas le choix parce qu'il y a la lumière qui est pile poil en face et elle va être toute blanche. Donc voilà, il s'agit de des Indestructibles. Voilà. Je n'ai jamais vu le dessin animé, le film d'animation. Je sais pas si c'était un bon. Si le jeu est bon. Enfin, si la. Je le saurais s'il est bon. Le film, je sais pas s'il était bon. N'hésitez pas à le dire dans le chat si le jeu. Si le film, pardon. Qu'est-ce que j'ai avec le jeu? Si vous avez regardé le film Les Indestructibles, le film d'animation Les Indestructibles, ce que vous en avez pensé, si ça vaut le coup de consacrer une heure et demie, je pense, n'hésitez pas. Comme ça, ça m'encouragerait à le regarder également si vraiment ça vaut le coup. En tout cas, là, ce soir, eh bien, c'est pas le meilleur jeu de PS2, puisque je balance en premier, si c'est Les Indestructibles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Il s'agit d'un jeu d'action plateforme sorti le 12 novembre 2004 sur. Alors, il y a un peu. Je regarde un petit peu, ouais, que je me trompe pas sur mes informations. Sur PC, Game Boy Advance, PlayStation 3, Nintendo GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Donc, il est sorti quand même sur plusieurs supports. Je ne l'ai que sur PlayStation 2, ce serait bien que je l'ai sur PS3 et Xbox. Ça pourrait être sympa pour faire la comparaison, surtout sur Xbox, parce que vous savez, hein, ceux qui ont connu l'ère de la PS2 et de la Xbox, les graphismes étaient quand même nettement. Désolé, hein, j'ai pas encore digéré. À chaque fois, je dis la même chose tous les soirs, c'est un rituel de dire que j'ai pas digéré. Donc oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, la Xbox première du nom avait la particularité d'être plus puissante que la PS2, même si elle a moins bien réussi. Il faut savoir que les jeux graphiquement étaient nettement plus beaux. Au niveau gameplay aussi, il y avait une certaine avancée technologique, puisqu'on retrouvait un petit peu le gameplay qu'on avait sur PS3 et Xbox 360. Donc voilà, moi il faudrait que je l'aie aussi sur Xbox, voire bon, sur PS3, c'est sûr que ça sera plus beau que sur Xbox. Mais d'avoir l'entre-deux, ça peut être sympa aussi. Donc, il faudrait que je me le procure. Si un jour je le trouve pas cher, je me le procurerai quand même pour le tester. Voilà. Bon, pour revenir au jeu, de toute façon, oui, pour revenir à ma description du jeu, il a été édité par Heavy Iron Studio. Je regarde si vraiment il a été. Alors, ouais, non. Alors, ils disent sur leur fiche, hein, c'est jeuxvideo.com, hein, mais je sais pas ce qu'ils ont fait avant. Mais Heavy Iron Studio, je ne le vois pas du tout sur. Là, si je le vois, il est tout petit, franchement, mais même avec une lunette, j'arrive pas à le voir. Attendez, je vais mettre même mon doigt avant dessus. Là, ce petit logo-là, vous vous rendez compte? On le voit pas. On le voit pas du tout. On a du renderware, Disney Interactive, ok. On a matep.com, renderware, ouais, quand même. Mais ouais, le Heavy Iron Studio, THQ, on le voit deux fois. Donc ouais, c'est con. C'est con pour ce studio, si le jeu était bon ou pas. En tout cas, ce jeu, il est jouable uniquement solo. Par contre, les textes et les voix sont en français.
Et enfin, je vais vous dire à peu près l'évaluation qu'on lui a donnée, pas moi, mais les joueurs en général. Donc, le testeur de jeuxvideo.com lui attribue la note moyenne de 11 sur 20. On va pas s'attendre à quelque chose de super ouf, mais c'est passable. On a 39 avis des joueurs, par contre, qui ont relevé la note, qui lui ont attribué une note moyenne de 13,3 sur 20. Donc peut-être que je vais faire partie de ces joueurs-là, ce serait super. Enfin bon voilà. Toujours pour le premier jeu. Alors ensuite, voilà ce que je vous présente. J'essaie de le mettre droit quand même, mais c'est pas évident. Voilà, surtout quand je l'incline. Alors, c'est Roland Garros, Paris 2005. Powered by Smash Court Tennis. Donc Smash Court Tennis, je crois que vous avez déjà présenté un jeu comme ça, ce Smash Court Tennis 2 sur PS2. Il me semble que j'avais déjà fait un live dessus, enfin un live, un retour vers le rétro sur ce jeu-là, sur un des opus. On va retrouver un petit peu la patte hein, de ce patte graphique et gameplay de ce jeu-là. Par contre. Alors, je l'ai mis en deuxième position, ok, vous savez maintenant que j'ai du mal avec les jeux de tennis, effectivement. Effectivement, j'ai du mal avec les jeux de tennis. Par contre, celui-là, en plus qu'il soit beau et au niveau gameplay, c'est correct. Le dernier jeu de tennis était vraiment pas terrible. Celui-là, il a un mode campagne qui est sympa, qui permet d'améliorer son perso. On crée un perso et on peut l'améliorer avec des petits jeux, des mini-jeux. Je crois que je me trompe pas, hein. Si je me trompe peut-être avec l'autre justement. Enfin bon, il y a. Bonsoir Mathéo. Bonsoir Père Noël. Bonsoir Père Noël Mathéo. Comment ça va? Je me trompe peut-être avec Smash Court Tennis 2, remarque. Enfin bon, ce jeu est bien quand même. Il vaut le coup. Moi, c'est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal avec ce jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu de Roland-Garros? Forcément, si je vous dis que c'est du basket, vous allez me dire, vous vous foutez de ma tronche. Ouais, moi, ça va super, ma foi, ça va très bien. Ça va très bien. Très content de faire ce live avec trois petits jeux qui vont être. Ouais, qui promettent. Pas de jeu de course pour toi, par contre, hein, Mathéo. Je suis désolé, il n'y aura pas de jeu de course. Ce soir. Alors. Il y a eu les indestructibles. En premier, je vais faire celui-là. Voilà. Celui-là, là, j'étais parti au deux, j'étais rendu au deuxième. Un petit jeu de pénis. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Et justement, j'allais vous le présenter. Eh ben tu vois, t'auras pas besoin d'attendre puisque c'est le premier jeu auquel je vais jouer ce soir. Donc oui, le jeu de tennis, il est sorti le 18 mai 2005 sur uniquement sur PlayStation 2. Pourquoi? Parce qu'il a été édité par Sony. Et oui, il a été édité par Sony et développé par Namco. Donc encore à cette époque-là, Sony et Namco étaient étroitement liés. Ils sont toujours un peu liés, mais bon, Namco dit. Développe maintenant aussi des jeux sur les autres plateformes, les autres marques de consoles de jeux. Voilà. Ce que je peux dire en plus sur ce jeu, c'est qu'il est jouable jusqu'à 4 joueurs, donc avec un multitap, vous pouvez sûrement se faire un 2 contre 2, ce qui pouvait être sympa. Je voulais te demander si la semaine prochaine tu seras dispo pour jouer. Ah, je ne peux plus jouer à GT Sport, mon cher ami. Je peux y jouer, mais je ne peux plus y jouer en ligne. C'est fini, le jeu online sur PS4, je ne peux plus. C'est finito. Il n'y a plus l'abonnement, il n'y a plus l'abonnement. Voilà, plus l'abonnement. Zéro. J'ai plus. Ouais, voilà. Et je suis pas prêt de l'avoir pour l'instant. Malheureusement, je peux pas. Là, je peux plus rien acheter. Vous allez voir d'ailleurs les entrées de jeux vidéo au mois de février, c'est la dèche, hein. Il y aura peut-être 4 ou 5 jeux, c'est tout. Je crois qu'il n'y aura pas plus de 10 jeux en tout cas que je vais rentrer. Et quand je parle des 10 jeux, c'est que que j'ai encore, qu'on m'avait donné, que j'ai pas, j'en avais reçu une trentaine gratuitement, bénévole. Enfin, voilà, c'est un don d'une personne de ma famille qui voulait se débarrasser de ces jeux, qui me les a donnés. Donc il y a une trentaine de jeux, voilà, que j'ai pas encore rentré, et que j'ai, enfin, une trentaine
peut-être 20 ans, il y en a peut-être 25 encore jeux à rentrer. Mais sinon, voilà, au niveau des jeux de rétro gaming, là tu recommences à... Ah yes! Et tu fais encore des lives? Est-ce que tu... Ou tu fais ça juste en solo? Enfin, juste comme ça, la barbare, tu veux pas partager ton gameplay avec les autres? Donc voilà, c'est pour ça. Là en ce moment, c'est ouais, c'est question de budget, je ne pourrais pas. Bah, même là, les lives rétro gaming, donc jusqu'au février, ça devrait être bon. Par contre, mars, en retour à la rétro, ça va être le calme plat. Il y en aura, mais pas beaucoup, pas tant que ça. Il y aura peut-être deux émissions rétro gaming, c'est tout dans le mois. Sur Switch. Ah bon, c'est sur Switch. Bah, tu l'as pas sur PS4, Mathéo, Mortal Kombat 8. Je croyais que tu l'avais sur Mortal. Je croyais que tu l'avais sur la PS4. Ah, MK8. Bah oui, non, moi je crois que c'était Mortal Kombat 8. Moi. Bah, ça encore, je pourrais peut-être y jouer. Mais il faudrait que je le fasse en live. J'ai pas testé encore la Switch. Parce que j'ai encore l'abonnement jusqu'au mois d'août. J'ai l'abonnement Switch. Donc là-dessus, il y a que la Switch et la PS3 que je pourrais jouer en ligne. Le reste, je peux pas. Même Xbox, du coup, j'ai pas d'abonnement. Xbox 360. La Xbox One m'a rendu l'âme, hein, comme je vous l'avais dit déjà la semaine dernière. Mais la PS4 et la PS4 et la Xbox 360, je ne peux pas jouer online. Ouais, parce qu'il faut payer un abonnement et je n'ai pas les moyens. Alors, oui, donc je reviens un petit peu sur mon rôle à gratos. Pour ce qui est de l'évaluation, donc le testeur de jeuxvideo.com lui attribue la bonne note de 16 sur 20. Et on a 53 joueurs qui lui ont attribué la note moyenne de 16,2 sur 20, donc qui rejoint un petit peu l'évaluation du testeur de jeuxvideo.com, donc ça c'est super. Bon, moi je pense que c'est un bon jeu. Voilà. Et le dernier jeu, donc le meilleur jeu de la soirée, et je pense honnêtement ce sera celui auquel j'ai plus kiffé. D'ailleurs, je remercie mon cousin qui m'a donné ce jeu. Voilà. Ça, c'est un jeu qu'on m'a donné. Voilà. Mon cousin qui voulait s'en débarrasser. Il était même prêt à les foutre en l'air, je crois. Et du coup, je l'ai récupéré. Donc, il y avait celui-là. Et en plus, ça a été en très bon état. Sly 2. Donc, moi, je connaissais... je connaissais de nom, mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Je l'ai juste testé comme ça, vite fait. Ça a l'air vraiment sympa. Donc à voir, on verra tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Sly 2? Alors Sly 2, association de voleurs, hein, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le mot en entier. Il s'agit d'un jeu de plateforme sorti le 27 octobre 2004 sur PlayStation 2. J'ai regardé un de tes lives de GTA 5 quand t'étais en ligne. Ouais, je m'en doute, il y avait du people là, c'était le bordel. Bah ça, et puis... GTA 5 et puis Call of. Encore Call of, je pourrais continuer. Mais ce qui va être compliqué, ça va être... je pourrais pas faire en vocal. Mais ouais, il y avait du délire. Ça me fait chier, Mais voilà, j'ai un boîtier d'acquisition qui est mort. Je peux pas faire live comme ça. Ça viendra. Hein. Je me rabonnerai de temps en temps peut-être quand j'aurai des mois de... qui seront moins difficiles ou peut-être un emploi. Je dis pas plus, peut-être que j'aurai retrouvé un job, peut-être que j'aurai un taf bientôt, je sais pas, croiser les doigts pour moi. J'ai un entretien l'année là et je parle un petit peu de ma vie privée. J'ai un entretien la semaine prochaine pour un boulot, donc peut-être que d'ici à la suite de cet entretien j'aurai un taf. Croisez les doigts pour moi, c'est pour ça que je vous dis ça. Pensez bien à moi mercredi prochain. Et c'est vrai que si j'avais un taf, du coup, j'aurais un peu plus de moyens pour. J'aurais les moyens pour me réabonner. En parlant tous les jeux de F1, tu les as déjà testés. Alors, les jeux de F1 sur PS3? Je sais que tu m'en avais déjà dit sur Instagram et je t'avais répondu que je les teste.
dès qu'ils sont dans la collection, dès qu'ils sont listés sur Google, oui, donc ouais, ce que je poste, c'est que voilà, ils fonctionnent, ils sont fonctionnels et je les ai rentrés dans la collection. Ils sont testés, mais ils sont pas streamés. Donc oui, je peux en faire, ça c'est pareil. Et j'en ai un, je sais plus, j'ai F1 2010 ou 12, je crois. J'ai même le F1 2012 sur Xbox 360. Donc voilà. Mais oui, oui, je les ai testés, mais j'ai pas. Voilà, c'est juste quoi, j'ai fait une course et j'ai arrêté. C'était juste pour voir si le jeu il fonctionnait. Mais j'ai pas fait la campagne, j'ai rien fait, et quand j'y jouerai vraiment, je recommencerai à zéro. Voilà. Donc ouais, je reviens un petit peu sur Sly 2 Association de voleurs. Donc oui, il est sorti sur PS3, mais aussi sur PS2, mais aussi sur PS3 et sur PlayStation Vita. Alors attention, vous ne le retrouverez pas comme ça, pas dans cet état-là. C'est quasiment sûr, j'en mettrai ma main à couper. Mais ça, vous le retrouverez dans une trilogie. Puisque moi je l'ai sur Vita, d'ailleurs je n'y ai jamais joué. Ouh, ça fait des années que je l'ai, et il est encore sous blister. Et c'était l'époque où ils faisaient des trilogies de Jack and Dexter, Ratchet, tout ça. Bon, ben moi j'avais tout acheté à l'époque parce que j'adorais ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils disent qu'il est sorti sur PS3, sur Vita. Mais vous le trouvez sous la formule Sly 1, 2 et 3 en trilogie. Donc ça devait être vraiment de très très bons jeux sur PS2. Et sur PS3 et PS Vita, je sais pas. Peut-être que ça peut changer ou pas. Hey Crumble! Bonsoir Crumble! Bonne année à toi Crumble! Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a été édité par Sony et développé par Sucker Punch. Il est jouable en solo et on a les voix et les textes en français. Voilà pour ce dernier jeu. Ah si, je vais vous dire comme les bonnes. Merci, c'est la fin. Bah non, c'est le début, je te rassure. Non, je présente les jeux, je fais du blabla. Non, quand il est 9h comme ça, non, pas pour le rétro gaming. Pas pour le rétro gaming. Ça fait combien de temps que je suis en live? Je sais pas, ça fait combien? Ah, ça fait 23 minutes, c'est ça? Je vois. Ah ouais, 23 minutes déjà, ça fait déjà 23 minutes que je suis là. Ok. Donc, oui, le testeur de jeuxvideo.com lui a attribué la bonne note de 17 sur 20. Donc, hein, c'est, voilà, il mérite vraiment sa place de dernier, hein, d'ailleurs pour la fin. Et on a quand même 205 joueurs qui lui ont attribué la note moyenne de 17,8 sur 20. Waouh! Donc, c'est un très bon jeu. Ça va être un très bon jeu. J'ai pas le 1, par contre. Voilà. C'était dans. Un truc est tombé. Bien. Si je le ramasse pas, je risque de marcher dessus. Je crois que c'est un cache. Je regarde où est-ce qu'il est. Ah, il est là. Okay. C'est un petit cache de prise jack. Je sais pas si vous le voyez. On met la prise jack. Moi, je l'ai mis parce qu'en fait, la prise de mon casque, ça peut éviter qu'elle s'oxyde, ça peut éviter plein de choses. Donc c'est pour ça. Alors, tu te souviens du T20 versus Rocket lorsque je gagnais tout le temps? Ouais. Oh la vache, 17 Crumble, ouvre tes oreilles, 17 sur 20, pas 7, j'ai pas dit 7 sur 20, j'ai dit 17 sur 20, et il a eu 17,8 sur 20, voilà, donc il a eu une très bonne note. C'est vrai que bah, dans le lot qu'on m'a donné, il n'y avait pas le slide 1, il y aura le slide 3, mais il n'y a pas le 1, donc je suis désolé, vous verrez pas le 1, il faudrait que je me le procure autrement. C'est juste ma de maths en coef. Bah, faut remonter tout ça, hein, la résolution. D'ailleurs, dites-moi vos résolutions. Quelles sont vos résolutions pour cette nouvelle année 2021? Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Bon, et en attendant, moi, je vais peut-être passer à l'action parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais me coucher à minuit et demain, je me lève. J'ai cours. Allez, go! Remonter à 15 de moyenne, ça c'est parfait, ça c'est une bonne résolution, ça fera plaisir à papa et maman. Attendez, hop, tac, tac, tac. C'est d'assister au Grand Prix de Belgique. Ouh,
Ouais, ça c'est ouais, bon, ça c'est ouais, c'est faisable. Ah, quoique, ouais. Bah, tu me diras, Mathéo, photo, photo, hein. Alors. Vous allez avoir un écran, mais c'est normal. Un double écho, pardon, pas un écran, un double écho. Mais je veux m'assurer que vous allez entendre correctement le son du jeu. Faire des lives. Bah, c'est bien, tu en as déjà commencé, Crumble. Maintenant, il faut les tenir. Hein? Faut une régularité, fais pas comme moi. Bah, je sais pas, bah, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Super Mario Bros. Enfin, Super Mario Maker. Ça a l'air d'être bon. Mais comment on met les scènes de fin et de début? Alors, ça, c'est sur OBS. Je sais pas, tu es sur OBS, Crumble? OBS ou Star? Ouais. Alors, attends. Je vais mettre en français. Il faut que tu ajoutes une scène en fait. Tu ajoutes une scène et puis après, bah, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre une photo, une image, n'importe quoi. De la musique. Faut juste rajouter une scène. T'as un panel en bas, et tout à gauche. Quoi? C'est pas la PS2 la meilleure intro? C'est pas la PS2. Ah, frisson, chaton! C'est un faux don, c'est Kildo, c'est ce Kildo. Attends, je savais pas à quoi Qu'est-ce que ça t'attends? servait. Si je t'en. Si ça, ouais. Bah, faut le faire. Appuie sur la touche start. J'ai enlevé ça, ça chauffe les oreilles là, mon Faut une délire. permission pour commencer à jouer? Je vais peut-être mettre moins fort la télé pour éviter. Oui, c'est fort. Options, je vais voir ce qu'il y a dans Ne les commence options pas à de bidouiller tous musique. les réglages, d'accord? Ça me gêne là. Ok. Retour. C'est ce qu'il doit. Ce qu'il doit. Je comprends pas ce que. Allez, en avant! Utilise la fonction auto-sauvegarde. Bon, allez, vas-y, fais péter l'auto-sauvegarde. Bon, on va pas s'amuser à lire les textes qu'on connaît par cœur. Vous avez vu le nombre d'espace, le nombre de kilos qui reste sur ma carte mémoire? C'est énorme. Il reste 121 mégaoctets. Vous avez déjà vu une carte mémoire PS2 qui fait 121 mégaoctets? Le jeu, il a pu faire un truc comme ça, mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte. Bah, j'ai pas regardé, donc surtout, justement, j'ai dit au début, si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai jamais vu ce film, donc n'hésitez pas. Vina, t'as combien de points de chat? Brooke, Kevin. Bah ouais, mais non, mais j'y peux rien, moi, attendez, on n'a pas la... Je regardais autre chose, moi, quand j'étais plus jeune. Il était pas sorti, indestructible. Hein, hein. Quand est-ce qu'il est sorti d'ailleurs le film? N'hésitez pas. Allez hop, je vous fais donner du travail. Allez, parlez-moi du film. Moi j'y connais rien, je peux pas chercher. Dites-moi quand est-ce qu'il est sorti, s'il y a eu des épisodes, tout ça. Alors, j'en ai 810, mais mon autre compte, j'en ai 30. Bah je. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Mathéo, t'étais celui qui voulait absolument avoir le maximum de points et tout. Et je crois que t'étais longtemps à être le premier. Quoique Chaton était assez discret et il cumulait pas mal aussi. 1800. Tu peux le ramener, s'il te plaît? Ramener quoi? Qu'est-ce que tu veux que je ramène? J'ai largement le temps. Mais du coup, c'est pas fort là. Ah, tu veux que je fasse manette à l'envers?
comme ça. Ah bah peut-être. Ah, attends, attends. Moi, en gros, ce que je te dis, moi, je les ai les trucs. Antonin, il avait demandé 10 minutes, donc j'ai fait Hugo. Alors c'est. Yo, attendez. Qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que je peux mettre pause là ? Je vois. Tu ne sais voilà. Pas. Donc en gros, c'est simple. Crumble. Il y a eu que des points qui ont été attribués. C'était il y a 2 semaines. Donc Antonin m'avait débloqué 10 minutes, je porte un casque militaire, et Hugo aussi, et comme c'était la fin du live, ben voilà, j'ai dit à plus tard. Donc Antonin, je lui ai fait ses points la semaine dernière, je lui ai porté 10 minutes, maintenant il reste plus que Hugo, et j'attends qu'il vienne pour qu'il se manifeste, pour que je le fasse. Mais Crumble, t'as pas dépensé de points, toi, pour manette à l'envers, ni sans lunettes et tout. Voilà, tu m'auras pas, tu vas pas m'arnaquer là-dessus. Je l'ai le truc, hein, j'ai un petit journal des events hein, à côté de moi sur le compte. Voilà. Là, c'est bon, sans lunettes, donc tu veux faire sans lunettes. Alors, sans lunettes, c'est 5 minutes. Allez, go. Ouais. Pas de bol. Et j'ai dit un truc, Rumble, c'est con parce que sans lunettes, honnêtement, j'ai pas être un vrai bigleux puisque avec les masques, quand je me balade en ville, j'enlève mes lunettes parce que il y a de la buée, donc au final, je commence à m'habituer sans mes lunettes. Mais voilà, ça va que je t'ai donné des idées. Ouais, bah ouais, merci Mathéo. Il y a pas que toi, je crois. Bah il y a comment Middles aussi, Azuko, Atsuo, enfin. Enfin, le streamer qui a plein de noms, son modérateur. D'ailleurs, je lui fais un coucou à toi. Et au final, j'ai. Comment dire ? Il m'a donné quelques idées de comment je pouvais attribuer les points. Mais c'est vrai que c'est toi qui m'en as parlé, Mathéo. Minuteur. Allez, 5 minutes de sans lunettes. Est-ce que j'ai 5 minutes là, non ? Tac. Ah. On va ajouter un minuteur, ce qu'il veut pas. Alors, arnaque. Oh, mais c'est pas grave. Oh. Dans toute la team, c'est moi le plus ancien à part chaton, je crois. Alors, le plus ancien, et il vient plus sur mes lives. Il était. Bah, je sais pas si tu te rappelles, là, qui faisait de la musique. Hein, je me rappelle plus. Il a lui aussi changé de pseudo. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle déjà. Il faisait de la musique électronique, il a partagé pas mal là, sur comment dire sur Discord. Allez, on démarre parce que sinon j'aimerais bien. J'ai bigle. Alors. Ouvre l'œil. C'est pas mal ça. Vous ouvre l'œil. Appuie sur sauter. Ah bah c'est bon. Ah, je peux démolir des trucs. Rien faire, ça s'explose pas. Ah si, ça explose, c'est bon. J'adore quand ça explose. Ah, il demande d'aller là. Bah trop tard. Je sais appuyer sur carré. Oh bah tiens, bon il a jarté. Vous avez vu comment il a jarté? Ils ont jarté. Ok. Ouais. Bah alors, vous me parlez du film ou pas? Ça vaut quoi le film Les Indestructibles? Est-ce qu'il casse la baraque? Si ton niveau de santé baisse, pas de panique. Il suffit de récupérer une trousse de soins. Surprise. Top, dégage. On va se faire là. C'est pour les gosses.
Ouais, enfin bon, vous savez bien que moi, les jeux de gamins, c'est fait pour moi parce que je suis pas non plus un super joueur. Tiens, allez hop. Mais ça peut être sympa, après, faut voir. Bon, graphiquement, il est pas ouf. Hein. J'ai jamais entendu parler des sbires dans le film, c'est encore un nouveau truc. Ouais, ça c'est pour le jeu, hein. D'ailleurs, Mathéo, toi qui connais bien le truc, tu pourrais m'en parler un peu du film? Le jeu, oui, mais le film, tu ne peux pas comprendre. Je suis un vieux de la vieille, moi. Je sais pas si en tout cas... Ah, il y a des soins, là. Merci pour la santé. Voilà. Oh, il y a du soin. Il n'y a pas de niveau de difficulté. Bonus déverrouillé. Ah tiens, allez. Je pense que l'histoire est sympa de ce jeu. Par contre, on peut pas tourner la caméra. Ah si, on peut tourner, mais à l'envers. Ah, j'aurais un truc. Option. Commande. Moi, à l'enfance, c'était genre Industrie 15. Ah, 15. Et 15, ils sont passés sur la TNT. Ils sont passés sur la TNT. On peut pas modifier les trucs. Il s'est passé sur la TNT, Cars et puis Plane. Bon bah je peux pas inverser la caméra malheureusement. Je suis dégoûté. Parce que j'aime pas, c'est ça l'inconvénient de la PS2 justement par rapport à la Xbox. C'est con hein. Mais les jeux, les caméras étaient inversées. Je comprends pas. Appuie rapidement sur la roue. Donc Martel la touche. Allez boum. Maintiens croix enfoncée pour faire un indestructible saut. Ok. Waouh, magnifique. Dans Cars, j'ai aimé le 1 et 3, mais le 2 c'est n'importe quoi. Bah peut-être, mais tu vas encore me lyncher. Je n'ai pas vu Cars. Et pourtant je les ai toujours d'ailleurs Disney Infinity et j'ai des petites figurines de Cars. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que vous avez déjà joué à Disney Infinity? Quoi? T'as déjà joué toi à Disney Infinity Crumble? Pousse-toi là! Pas mal. On a pas mal. Tiens, allez, bien joué! Tu l'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Non, tous ces trucs-là, j'ai pas vu. Non, mais c'est... Bah, Giant, j'en ai un petit peu. Ah. Le Skylanders Giant, je l'ai un petit peu. Et je l'ai un petit peu et j'ai bien aimé. Moi, j'ai plus joué au tout premier Skylanders parce que j'ai toutes les figurines. J'avais toutes les figurines. Ouais, j'ai vu ton CMS. Et moi, il y a eu une époque comme ça où ouais, j'ai beaucoup, j'étais beaucoup après Skylanders, Disney Infinity, Lego aussi, Lego Dimension. Mais bon, ça revenait à super cher. Ça revenait à super cher le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté quoi. Sers-toi de ta force. Tu sais, tu peux ramasser et soulever des choses en cas de besoin. Ah ok, fallait juste le lancer. Qu'est-ce que tu fais ici? La vie, j'ai même pas besoin de... Le message sur la PSP. J'entends toujours, Monsieur Indestructible, sauvez le monde. Ah ouais, t'avais le même jeu Cars sur PSP là, oui. Ah oui, t'avais le jeu Cars, ouais pas un... Ouais ok. Et alors, comment il était le jeu? Oh, les musiques à la James Bond, vous avez entendu quoi. Trop cher au début du jeu Skylander. 10€ une figurine. Ouais, bah ça a toujours été ce prix-là, en fait. Mais pourquoi il s'acharne? Surprise.
Mais t'as mis remis. Ah bah oui, ça a sonné. Hein. Pour un mime, c'est plutôt bavard, toi. Après 10 ans, ça coûte 1 ou 2 euros. Ah ouais, mais attends, là. Bah, tu vas voir, ça a remonté. Hein. Quand. Vous allez voir, quand. Il ne manque pas d'audace pour un mime. Où est ton patron? Voilà vous. Vous allez voir quand ça va être vachement recherché. Vous ne pouvez pas vous enfuir. C'est bon. Suite alors. Viens par là, toi. Dans le mille. Merde. Je te dépose. Tiens. Voilà. Attrape. Mais vous allez voir, dans 10 ans par contre, ça va monter carrément plus, ça va être 20 euros la figurine. Déjà, il y en a, ils se privent pas. Hein. J'avais vu sur Amazon, quand. Je sais que moi, les dernières figurines du premier Skylanders, il me manquait une, je crois. Et je l'avais payé peut-être 30 balles. Ou le pack, j'avais payé 45 euros le pack. Le pack de 2 ou 3 figurines. C'était. Ça fait longtemps. Hein. Un volant. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, mais sur un volant qui serait compatible avec la. Tu peux sauter ou te déplacer à gauche. Avec la. Comment dire, la. La PS4 peut-être. Le PS5. Je de. Ah, tu re. C'est ça que tu veux dire. Je de pas, je re. Oh, ça devient grotesque. Merde. Ah, ouais, non, c'est pas là. Ah, monsieur Mime. Ah bah peut-être, ouais. Ah, je sais pas, hein. Je compte sur vous, hein, pour m'aider. Et il est pas mal, le jeu, mais je trouve que c'est un peu rigide au niveau de la... du gameplay. Grotesque. Ton clavier a fait... Oh, bah oui, bah ça me surprend pas, mais je commence à... Je diagnostique vos problèmes de clavier. Bon, bah... Ah, si, c'est la fausseté. Voilà. Allez, hop, dehors. Pas de soucis, mon cher Crumble. De toute façon, au pire, t'as toujours le replay. Chouette. Santé. Ouais, bah sinon, bonne nuit. Et ouais, bah, et puis merci pour ton passage. Non. Non, pour le volant, je prends le GTE. Ah, bah ça, c'est bien. C'est une bonne logique, comme ça toi tu pourras jouer sans problème. Boum. Allez, bonne soirée à toi, Crumble. Merci pour ton passage encore. Mais oui, mais ils me prennent en sandwich. Super. Attention à l'hélicoptère. Oui, parce que ça peut trancher la tête. Okay. Tu devrais pouvoir traverser sur ce câble. Et c'est ce que j'ai eu. Ouh. Quelle chance. Tu m'avais pas raconté une fois que plein de gens venaient t'insulter. Ouais, c'était quand je faisais un live de Gran Turismo 1. Mais ça fait longtemps. Et d'un. Mais sympa ce petit jeu au final. On aura des jeux sympas ce soir. Pour 11 sur 20, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. C'était peut-être trop. Enfin, trop sévère pour ce jeu. Ouais.
je m'étais pas autant amusé. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais. Bah je sais pas, ouais. Mais ils vont peut-être en faire. Hein, bah. Après, est-ce que ça marche vraiment les jeux à licence, hein, les licences de films, c'est ça le truc. Zut. Mort. Oh non. C'est toujours si compliqué. Y'a d'autres ? Mais je peux même pas l'éviter quoi. Faut vraiment que je l'attrape. Ah c'est bon. Puis la caméra à l'envers c'est pas terrible. À toi de jouer. Retour à l'envoyeur. Ah mais non mais... Allez vas-y. Allez hop là c'est bon. Bon je vais devoir te laisser... Ouais bah pas de soucis mon cher Mathéo, bonne soirée à toi. Merci pour ton passage. Merci pour ta présence. Au moins, j'espère que ce live t'aura plu. Enfin, le jeu, toujours. Ah, d'ailleurs, de toute façon, le niveau est terminé. Je vais passer au suivant. Mina, je me suis attardé. Sur la description des... La présentation des jeux. En tout cas, merci pour ton passage. Puis, bah ouais, bon courage pour la semaine, surtout. Ouais, bah bonne année à toi aussi, bon début d'année à toi aussi, mon cher Mathéo. Tu me tiens au courant, mais ah ouais, c'est vrai que c'est chiant, on peut pas jouer. Faudrait qu'on trouve des jeux sur PS4 où il n'y a pas besoin de l'abonnement du PSN Plus. Il y a sûrement des jeux où on pourrait jouer ensemble. Faudrait qu'on trouve. Bon, on va arrêter, tant pis. C'est vrai que ça a l'air sympa ce jeu. C'est peut-être un jeu qu'il faudrait que je fasse au final. C'est peut-être moyen, mais l'histoire vaut peut-être le coup de s'y attacher. Ouais, non merci, pas Fortnite. Non merci. Allez, non merci, Fortnite, jouer, sans façon. Et je sais que t'as envie de jouer. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est le Battle Royale, quoi, c'est ça qui est chiant. Ils ont pas un truc, à part les Battle Royale, il y a que ça de gratuit, quoi. Tu veux jouer en ligne? Ouais, fais du Battle Royale.
Ouais, mais tout le monde n'aime pas le Battle Royale, quoi. C'est vrai qu'il faudrait trouver un autre truc, genre un jeu de caisse, je sais pas, moi j'aime, on aime bien la course, c'est dommage quoi. Il y a bien des jeux de course où on pourrait jouer ensemble, sans avoir à être abonné PSN Plus. Allez, on est parti sur le jeu de Peliche. Roland Gratos. On va voir si c'est là où il y a, ça se trouve je me trompe, ça se trouve c'était Smash Court Tennis 2. Mais bon, ce jeu est pas mal quand même. Ce jeu est pas mal. Donc, bon, Roland Garros, j'ai pas trop m'attardé, je vous le cache pas. J'ai plus privilégié quand même Slide 2. Où là, ça va peut-être être un peu plus simple. Enfin, ça risque de plus m'intéresser. Bon, je vais quand même m'intéresser à Roland Garros, mais je vais plus s'accrocher quand même Slide 2. Honnêtement. Alors, ouais, espace insuffisant. Mais tu rigoles ou quoi? J'ai 121 mégas et tu me demandes 585 kilos. Et il me dit qu'il y a l'espace insuffisant. Bah oui, j'ai commencé. Il y a largement ce qu'il faut sur la carte mémoire, quoi. Non, mais t'as fumé la moquette ou quoi? Ah, je vous jure. Alors, Namco. Alors, il y a l'intro, mais je pense que je vais la passer puisque vous l'avez hein, sur YouTube. Powered by Smash Court Tennis. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Mode Roland Garros, Pro Tour, exhibition, didacticiel, défi spectateur, salle et trophée, options. On peut les regarder dans les options vite fait, mais ralenti, effet vitesse, configuration, vous allez voir. Ouais, jour 1, lift, coupé, donc là en fait c'est la configuration des touches. C'est fort. Alors, mode Roland Garros, qu'est-ce qui se passe? Alors, mais facile. On va faire un simple. Donc, ouais, c'était bien sur. Comment ça s'appelle? Sur Smash Pro Tennis 2. Je vais au hasard. Hein. Ah, Richard Gasquet, un Français. J'aurais dû vous présenter les joueurs. J'ai été trop vite. Je vous montrerai après si c'est pas méchant. Allez, coco. Alors moi j'y allais l'Angleterre. Hein. Le gars il part défaitiste. Ah mon pauvre gars, si tu savais. Il est plus jeune que moi, dis donc, le Richard Gasquet, 86, il est plus jeune que moi, c'est dingue. Dernier set. Gasquet, service joueur. C'est qui? C'est moi qui a... Ah ouais, j'arrive toujours, voilà, ah, ça fait quoi? Ah là, c'est moi qui avais gagné. Ouais. C'est moi? Non, c'est pas moi. Non! Ah, bien. J'ai bien fait de pas la toucher. Hein.
C'est serré, hein, quand même. Yes, égalité. Non. Ah ouais, il a gagné. Non. Ouais, c'est long. C'est... Je suis vraiment une bille. Je vais peut-être faire que 2-7 parce que... Oh, c'est... C'était balle de match. Il a gagné. Ah, c'est bon. En fait, j'ai même pas eu besoin... je vais voir s'il n'y a pas autre chose. Donc ouais, Smash Court Tennis, c'était pas mal. Bon bah voilà, j'ai encore perdu, mais c'est normal, je perds tout le temps au tennis. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est normal. C'est... La loi des séries. Vous avez reçu le manuel du jeu pour Richard. Okay. C'est bien, j'ai reçu un manuel, je vais pouvoir le lire. Je déconne, hein, je vais pas le lire. Annuler sauvegarde. Ouais, bah oui, de toute façon, je peux pas. Pourquoi il veut pas? Je comprends pas, il y a une carte mémoire. Il y a largement ce qu'il faut, hein. Je pourrais, je sais pas, faire combien de sauvegardes dessus, quoi. Énormément. Alors, j'ai exhibition. Défi, on peut regarder les défis pour voir. Exo offert. Si vous remportez l'échange, les bombes seront lancées sur le cours de votre adversaire. Faites en sorte qu'il soit touché par l'explosion. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est ça. Si c'est mi-jeu, ok. Donc on les trouve quand même. Ça peut être sympa. Donc je vais regarder un petit peu. J, fond de C, service. Ah, ok. Je croyais qu'en fait. C'était le nom des joueurs, mais non. Vous avez déjà vu un joueur qui s'appelait complet? Impossible. Alors, c'est quoi ces fameux mini-jeux qui sont vachement drôles? Mais je cache pas, au niveau du gameplay, franchement, ils sont vachement bien. Mais voilà, faut aimer le tennis et ouais, j'ai du mal. Faute. Je sais pas. Ça va faire boum. Je le sens pas là. Mais bientôt je vais même plus pouvoir passer. Ouais. Ouais, on peut pas changer. Ouais, on va regarder s'il y a pas de défi, je me trouve pas terrible. Hein.
voir. Choisissez votre joueur. On va voir ça. Alors, touchez les cibles autant de fois que possible avec ce vrai symbole. On est prêt ? Ok. Non. Ah d'accord, il faut des... Parce que de toute façon il veut pas sauvegarder, il est con. Alors ensuite. Je vais peut-être pas tous les faire. Je veux pas tous les faire. Sinon, j'aimerais quand même consacrer une bonne partie là. Je pense que je vais arrêter après les. Je fais le dernier défi, puis après. C'est... Merde. Merde, je vais pas y arriver. Ah punaise. Il manque plus qu'une. Non. Elle a pas touché. C'est dingue. Après ça, graphiquement, il est pas moche. Hein. Voilà. Très bien. Et la punaise. Vous êtes classé. Troisième. Bon, je vais me remettre au menu principal. Je vous... Avant de quitter, je vais vous montrer les jeux, enfin les joueurs qu'il y avait, sans faire de match. Juste pour vous présenter les joueurs qu'il y avait quand même, ce serait normal, ça montre des choses. Si vous voulez le procurer, si vous avez l'occasion de vous procurer le jeu, au moins vous saurez les persos qu'il y a.
simple, vérification. Alors, on a Layton et Witt, Tim Henman, David Nalbandian, je suis désolé, hein, le tennis, je regarde même pas non plus, donc, Joachim Johansson, Sébastien Grosjean, bah ça oui, je connais les Français, là, il y a aussi Tommy Haas. Il a fait dans les glaces, lui, non? Ah non, c'est resté Agendas. Juan Carlos Ferro, c'est pas un samedi, hein, ça me parle, mais voilà. Richard Gasquet, bah lui, il a perdu. Hein. Voilà. Lindsay Davenport. Ouais. Amélie Mauresmo, bah forcément, on connaît. Elena Dementieva. Justine Henin Arden, ok. Jennifer Green. Ah, ça, c'est pareil, ça, c'est un faux, ça. Ou alors elle a pas voulu se prendre en photo. Nadia Petrova, ça me parle aussi. Daniela Antuchova, je sais pas. Tatiana Golovin, autre. Ouais, il y a autre. Qu'est-ce qu'il y a autre? Bah, j'ai pas débloqué les persos, c'est normal. Bon, bah voilà. Ça, c'est pour le jeu de tennis. Allez, le DER. Le DER. Et pas des moindres. Trois jeux, mais mine de rien. J'aurais passé du temps, j'aurais pris le temps au final. C'est vrai que 3 jeux, minimum, maximum 3 jeux, c'est pas mal. Le mois prochain, je sais pas ce qu'il y a, je crois qu'il n'y en a pas des tonnes non plus des jeux. Ouais, que de toute façon, je vous redirai ça tout à l'heure, à la fin du live. Mais ça va peut-être être faisable. Déjà, PS1, je crois qu'il y a que 3 jeux, donc ça sera faisable. Et PS2, il n'y en a pas plus que ça non plus. Comme ça, ça permettra de bien s'imprégner des jeux. Parce qu'il y aura quand même 3 sessions de PS2, une session de PS1. Ou 2 sessions de PS2 si vraiment il n'y a pas assez. Ouais, il faudra s'attendre vraiment. Surtout au mois de mars où là, ça va peut-être être... faut que je trouve un moyen de faire rentrer des jeux. Quoi. Ou alors je ferai peut-être un spécial Xbox si je pourrais. Si vous êtes chaud. Je pourrais peut-être faire un spécial Xbox avec les jeux qui m'ont touché. Ça peut être sympa. Parce que j'en ai, hein. Je crois que j'ai 10... non, j'ai pas loin d'une vingtaine de jeux Xbox première. Hein. Je parle pas de la Xbox 360, mais la Xbox première du nom. Voilà, petite intro de rien du tout, j'ai pas pu la mettre sur YouTube tellement elle est très courte. Voilà, c'est fini. Ah non. Alors français bien sûr, hein. Touche start, nouvelle partie, touche select, accéder au menu. Et forcément, triangle c'est pour changer la langue. Aucun fichier slide 2 sur la memory card PlayStation 2 dans la fente pour memory card numéro 1. Slide 2 nécessite 100 kilobits. 100, et attention, hein, faut pas confondre 100 kilobits, hein, parce que vous laissez tomber. Une bit c'est pas très lourd, hein, vous imaginez 100 kilos, c'est énorme. Pour sauvegarder la partie, un fichier slide 2 est nécessaire. Créer un fichier slide 2, bah bien sûr. Et celui-là, on va le conserver bien au chaud sur la carte. Ça peut sauvegarder ça bien par rapport à l'autre. Parce que le Roland Garros, il passe pas, lui. Pourquoi, je ne sais pas. Il doit pas aimer le tennis comme moi. Enfin, c'est pas que j'aime. En fait, ça aurait été bien si vraiment. Il faudrait que je fasse les didacticiens, pardon. Petit lion. Ici petit fion, c'est bon grand sorcier. Non Sly, je suis grand sorcier et toi petit lion. C'est comme tu voudras grand sorcier. Non, je... Oublie, tu fais vraiment aucun effort. C'est pas faux ce que tu dis. Bon Bentley, c'est ta toute première mission sur le terrain, mais tâche de rester relax. Si on veut retrouver les morceaux de Clockwork, faut être super discret. Alors maintenant, donne-moi ta position. Bien. Je me trouve actuellement dans le sous-sol. Mais pour que je rétablisse le courant dans l'ascenseur de service, il va falloir que tu l'actives depuis le poste de sécurité. Sois patient. Ça peut être long, le temps que je trouve un moyen de monter.
Alors, il faut monter. Alors, la fameuse caméra, ça c'est... C'est chiant. Oh, centrer l'écran. Centrer tourelle, commande binoclome. On va voir si c'est ça ou pas. Je sais pas si c'est ça. Parce que quand je veux mettre, quand je tourne à droite, il va à gauche, la caméra va à gauche. On va gagner en manette. Ah, caméra touche R3 binoclome. Se déplacer slide. Déplacer. Alors, caméra, c'est la binoclome. Donc c'est binoclome. Ouais, c'est bon, ça a l'air d'être bon, c'est comme ça. Alors, là où on peut changer la caméra. Je crois qu'il faut que je saute là-dessus. J'avais testé, hein, donc je dois sauter là-dessus. Et graphiquement, bah c'est une tuerie. Ah, je me souviens des. C'est pas grave. Je suis là pour essayer. Non, en fait, je crois que. Ah non, c'est pas ça. Et je crois que c'est pas ça non plus, mais bon. Non, la caméra est toujours... C'est chiant cette fameuse caméra. Centrer l'écran, casque USB, volume des effets, volume de la musique, charger, option, centrer l'écran. Non, annuler. Et en manette, il n'y a pas. C'est con, hein, quand on est habitué à avoir une caméra. On se dit, mais comment on faisait avant? C'est peut-être une question d'habitude, mais bon, c'est chiant parce que en fait, cette habitude-là, j'ai pas envie de l'avoir. D'avoir la caméra inversée. Puisque maintenant, sur les consoles aujourd'hui, il n'y a plus besoin, quoi. Ok, j'ai ressoudé les fils. Attends, on y est. Alors, je sais pas si sur PS3 ou sur, et sur PS Vita, c'est inversé ou pas. J'espère que oui, enfin que c'est pas comme sur... Okay, okay. Pas comme sur PS2. Système de sécurité. Projecteur hors circuit. Et voilà pour les lasers de sécurité. J'attaque la porte de sécurité. C'est bon, la voie est libre. Je suis déjà parti. Super. Pour une première mission, tu t'en sors bien. Ouh, mais cette opération est loin d'être terminée. Maintenant que les lasers et les projecteurs sont coupés, Murray devrait être en position pour le rendez-vous. Vas-y, Sly. Moi, je t'aiderai d'ici avec mon ordinateur.
caméra, mais... Ah mais en fait je peux casser des trucs. Je ne savais pas. Je vais vérifier s'il n'y a pas des pièces en bas. Merci, vous faites tous du super boulot. Je ne pense pas. Moi oh, si, il y a des pièces. Des sous-sous. Non. Ouais, franchement, bah c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que je connaissais pas. Enfin, j'ai connu, je crois. Je pensais que. Alors j'ai dû le voir, oui, quand il est sorti sur PS3. Mais pas au tout début qu'il soit sorti sur PS3, et je pensais pas que c'était un opus qui était sorti sur PS2, quoi. Mais je les ai pas sur PS3, hein, malheureusement. J'ai la trilogie sur PS Vita toujours, mais je l'ai pas sur PS3. Ce serait pas mal que je puisse me la procurer, un de ces quatre. Mais c'est le genre de jeu, ouais, je vais rester dedans sans me prendre la tête si c'est... J'aime bien, il y a les gardiens à côté, ils entendent pas le bruit, ils sont pas du tout alertés. Je casse tout. Hein. Salut Bepanzer. Nosusai, je vais prendre le Ralongja. Comment ça va? Pour mémoire, tu dois sauter et appuyer sur la touche cercle pour utiliser les cordes. Ok, bah avant j'explose le truc. Non? Ok. Bah nickel, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2021. Bonne année à toi. Oh les petits les pigeons, c'est classe. Alors, quoi de neuf? L'année commence bien pour toi? Tu joues à quoi en ce moment? Quel jeu tu joues? Ah, le costaud. Donc ça, c'est un voleur aussi, lui, je pense. Hello, mon ami.
J'espère que mon entrée super cosmique t'a pas fait mal. Non, Murray, je t'avais senti venir. Bien, bien. Parce que l'hippopocrash, c'est une vraie machine à détruire. Dévastatrice. Cool. Tu pourrais utiliser cette énergie pour ouvrir la porte de sécurité. Bien sûr. Rien ne résiste à la Murray-bellion. Murray-bellion. En ce temps-là, je détruis des trucs. Il faut que je passe, sinon il va pas, il va peut-être pas rester longtemps à tenir le coup. Je saccage tout sur le passage. Merde. C'est mon ami. Un autre obstacle te barre la voie. Tu connaissais ce jeu Sly 2, ça te parle Sly 2 les Panzer? Est-ce que t'as déjà joué à ce style de jeu ou un des trois? T'es vraiment en forme. Mais cette ficelle va jamais tenir le coup avec mon corps d'athlète. Vas-y toi et débloque les portes de l'intérieur. Je t'attendrai dans le couloir pour t'aider à sortir tous les morceaux de Clockwork. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Saute et appuie sur rond pour utiliser les cordes. Oui. Oui, mais ça, c'est pas tout de suite, alors. Je n'y comprends rien. Les morceaux devraient être ici. C'est un vieux jeu. Micro-machine sur PS1. Tu joues à Micro-machine sur PS1. Inspecteur Fox, vous êtes plus belle et plus imprévisible que jamais. Et vous, vous êtes tellement prévisible. Vous revenez toujours sur les lieux du crime. Crime? Mais je n'ai encore rien volé, pour le moment. Ah vraiment? Alors où sont les morceaux de Clockwork qui ont disparu? Toi, t'as un mobile? Quoi? Les morceaux ont déjà été volés? Ne fais pas l'innocent. Mais il l'est peut-être, Carmelita. L'intrusion et toutes les blessures infligées aux gardes rappellent plutôt les méthodes du gang de Cloud. Le gang de Cloud? Sergent Nella, si je vous autorise à m'accompagner, c'est pour faire plaisir à la comtesse. Je n'ai vraiment pas besoin de votre aide. J'en suis pas si sûre. Les faits sont là. Quoi? Sly Cooper est là! Priez la main dans le sac! Je dis juste que tous les crimes ne sont pas forcément l'œuvre de... Sly Cooper! Arrête-toi! Marie! Stop! Oh. Pas pour ça! Attends, Sly! Pas le temps, Murray! Il faut filer! Oh, à la Crash Bandicoot, quoi! Ça n'était pas prévu, ça! Oui, mais... le sport, c'est bon aussi. Reste là, le rongeur! Arrête-toi! Ça devient un peu tendu. Bon les gars, allez faire chauffer le van. Je m'occupe de Carmelita. Je vous coffrerai tous. On se retrouve au point de rendez-vous. Elle est vénère, hein, quand même. Rends-toi! Non! Mais je ne veux pas te faire de mal. Arrête-toi. C'est... il est vraiment bon ce jeu. Yes. Je t'aurai, Cooper. Merci pour le follow, Brandon. Bienvenue à toi. Bienvenue.
Carmelita, toujours aussi remontée. Elle est si belle quand elle se met en colère. Et le sergent Nella? Son allusion au gang de Clao, était-ce vraiment involontaire? C'était très étrange. Bref, nous devons retrouver les pièces manquantes de Clockwork. Clockwork, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de décimer la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwork a vécu. Il a eu mes parents. Pour moi, ce fut l'orphelinat. C'est là que j'ai connu mes potes. Bentley, le cerveau de la bande. Et Murray, le costaud. Ils sont devenus ma seule et unique famille. Depuis 2 ans, tout ça semblait fini. Mais j'aurais dû me douter que cette haine ne pouvait pas s'éteindre aussi facilement. Le revoilà. En morceaux, certes, mais la menace est réelle. Le gang de Clao, sait-il vraiment ce qu'il a volé? J'ignore ce qui va se passer. Mais je refuse de vivre encore la même chose. Ah, punaise, excellent. Moi, je vais continuer un petit peu, mais après, faut que... Il est 10h30, ouais. Je vais continuer un petit peu, parce que vraiment, le jeu est bon. Je vais refaire un chapitre, mais après, ouais. Suivante apparaît lorsque la sauvegarde est en cours. Tant qu'elle est à l'écran, ne pas retirer la memory card PS2 ou la manette, ni éteindre la console. Continuez. Ok. Franchement, il est... Ouais. C'est vraiment la première fois que je découvrais ce jeu, et... Il est vraiment bon. C'est vrai qu'il mérite bien sa note de 17, au moins 17 sur 1. Alors. Visionner un film. Ah ok, d'accord. Donc là, c'est l'épisode 1. Commencez. J'ai joué de mes relations pour avoir des infos sur le chef local du gang de Clao, Dimitri. C'est un drôle de type. Apparemment aussi connu dans la Jet 7 de l'art que dans la Jet 8 du crime. On dit qu'il aurait fait les beaux-arts autrefois et aurait tenté d'imposer son style très novateur. Malheureusement, le monde artistique n'était pas encore prêt à accueillir ses œuvres cinétiques. Il oublia ses créations et se lança dans l'imitation. Une manière de répondre à ses détracteurs. Dimitri tient un club branché à l'ouest de la ville, avec musique à donf, lumière flashy et une pointe de danger qui attire de jeunes chefs d'entreprise venus de loin. Et c'est là, bien caché, que se trouvent les plumes de Clockwork. J'ignore ce que Dimitri compte faire avec les morceaux de Clockwork. Mais je compte bien les lui voler, ce soir. Château noir. Ok. Et graphiquement, il a pas mal vieilli, hein, le jeu. Hein. C'est vrai que là... Pas dégueulasse. Alors, vendre le butin et acheter des gadgets. Alors, j'ai collecté des pièces, mais pas assez, hein, forcément. Déclencher bon, point de feu, écran de fumée. Ils sont pas ouf les gadgets. Je m'attendais à un truc pour améliorer
Sly, mais de façon... Crois-moi, Bentley, je vais me faire un réel plaisir de cambrioler ce club. Je partage ton enthousiasme, mais avant de pénétrer à l'intérieur, un travail de reconnaissance s'impose. À quoi tu penses ? J'ai installé une antenne spéciale sur le refuge pour notre première mission. Pirater l'ensemble satellitaire de Dimitri. Les coordonnées de la balise de départ sont téléchargées sur ton binocom. Mets-toi vite en position, que je t'explique en détail ton prochain objectif. Ça roule, mec. Ouais, donc je pensais que ça allait être une un objet permanent. Et non. Bah après, c'est vrai qu'il n'y en a que 3. Je me dis, ils vont peut-être en rajouter d'autres. Et le départ. Ah, la caméra, par contre, ouais, c'est une innovation à l'époque, mais voilà quoi. Sly, essaye de pirater le système de communication de Dimitri pour que je puisse accéder à sa base de données. Et comment je dois faire ? D'abord, tu dois grimper en haut de cette tour. Ensuite, tu devras orienter la parabole en direction de l'antenne du refuge. Pour grimper sur des objets, saute et accroche-toi à l'aide de la touche cercle. Essaye sur ce tuyau. Bon, je saute et j'appuie sur cercle pour grimper. Fastoche. Ok. De la vie. Alors, il y a un Toyo. J'ai placé des marqueurs holographiques non loin d'objets interactifs tels que cette parabole. Pour utiliser l'objet, approche-toi et appuie sur cercle. C'est fait. Ah, je suis allé trop loin. Caméra ! Allez, c'est bon. Ok, Luc, active ton imageur en appuyant sur la touche L3 afin de trouver le dernier point de passage. N'oublie pas que la vue est toujours meilleure en hauteur. Sans déconner, j'ai eu ce réflexe, hein, vous avez vu, hein, il a pas besoin de me le dire. Par contre, c'est vrai que graphiquement, je le trouve vraiment sympa. C'est pas dégueu. Hein. Ils ont pas dû avoir à rehausser énormément quand ils l'ont porté sur PS Vita et PS3. Pourtant, c'est le deuxième. Hein.
Mission accomplie. Ouais, je vais peut-être arrêter après la mission. Il est bien, franchement, il est super comme jeu. J'ai pas envie d'arrêter, mais j'ai un petit coup de fatigue. Et... là, je préfère m'arrêter sur quelque chose où j'y arrive bien. Ouais, je vais peut-être faire le truc des fractions. Ok, direction la carte. Là, j'ai envie de la faire. Je vais la faire, allez, je la fais. Je suis ouf, je la fais. Mais voilà, après faut que j'arrête parce que sinon... c'est vraiment, mais... c'est une tuerie ce jeu. C'est vraiment une très bonne découverte. Comment ça va, mon pote? Apparemment, la cave à vin est gardée par ces rats. Je peux peut-être t'aider à t'en débarrasser? Tu m'étonnes. Toi et moi, contre tous. Super! Vu leur nombre, c'est mission impossible. J'adore! Ok, mec. Au boulot. Craignez le grand marais! Attends, Sly, je m'occupe de baisser ces barreaux. Et voilà. Pour passer ce truc, faut faire un double saut. Appuie sur la touche croix pour sauter, et sur la même touche si t'as envie de rester un petit peu dans les airs. Sly, c'est à toi de jouer maintenant. Oh, ne t'en fais pas. Merci pour ton aide. No problème, mon pote. Juste voir s'il n'y a pas des choses à collecter. Ah, des pièces. Ouais, ça, c'est le truc. Je casse tout. Ça donne de la vie. Pour certaines caisses, ça donne de la vie. La téloche. Ça ne détruit pas plus que ça. Il y a certains tonneaux qui explosent, mais d'autres non. Sly, si tu veux passer ces lasers, tu vas devoir ramper sur la table. D'abord, approche-toi d'elle, puis appuie sur la touche cercle. Mm-hmm. Ah oh, punaise.
Ah, ok, d'accord. Fallait pas que j'aille à droite. Ah, il y a un truc à droite, ça serait des trucs à collecter. Mais non. Je crois que lui il se tente pas. Tac, alors. L'attaque discrète ne pourra fonctionner que si le garde ne t'a pas encore repéré. Attends qu'il ait le dos tourné et allume-le à volonté. Tac. En vie ça va, hein. J'en récupère, mais au final, vu que j'en perds pas, donc ça change rien. Le truc que je décroche pas, quoi, c'est énorme. Franchement, ça fait du bien un petit jeu comme ça en rétro gaming, c'est normal que je m'y attarde un petit peu. Là, c'est vrai que je sais pas, ça fait combien de temps que je suis sur le jeu. Ça va faire 3/4 d'heure.
centre névralgique du trafic de Dimitri. Dirige-toi vers ces fenêtres pour prendre des photos de reconnaissance. Appuie sur la touche R3. Tu sais, le joystick analogique droit enfoncé pour utiliser le binocom. Il est équipé d'une voyeuse très utile. Sly, sers-toi du joystick analogique droit pour zoomer ou dézoomer. Quand la cible est dans la mire, appuie rapidement sur la touche R1. C'est chaud à prendre les photos. Qui alimente les systèmes de sécurité. Pas bête. Dimitri se sert des plumes de Clockwork comme planche à impression. Étant donné leur alliage inoxydable, c'est jackpot à volonté. C'est notre cible, Dimitri, un faussaire international et fumiste de première. C'est tout bon, Sly. Dépêche-toi de revenir au refuge pour qu'on mette au point un plan d'attaque. Voilà, bon. Là, par contre, je vais m'arrêter parce que sinon, le temps que. 3%. Ah, franchement, il est super ce jeu. Génial. J'accroche, hein. C'est vraiment c'est un coup de cœur. Rappelle à quel point la vie d'un voleur peut être difficile. Projecteur, patrouille renforcée. Autant dire qu'une attaque de front est inenvisageable. Pour trouver une solution, j'aurai besoin de plus d'infos. D'abord, place cette toile mouchardée dans le bureau de Dimitri. Une fois que ce sera fait, nous pourrons intercepter toutes ces communications. Ensuite, si tu vois le boss, suis-le. Ces déplacements peuvent nous apprendre énormément de choses. Quand nous aurons enfin compris ce qui se trame par ici, nous pourrons mettre la main sur les plumes de Clockwork. Ouais, mais ce sera pour une prochaine fois, parce que là, je sais pas si ça va sauvegarder ou pas. Sauvegarder et quitter. Voilà, tac. Bah, ouais, je risque de m'y remettre dessus. Franchement, c'est un coup de cœur. En attendant d'avoir des Jack and Dexter, je crois que j'en ai du Jack and Dexter et tout ça. Je sais plus ce qu'on m'avait donné. Hein, comme je vous ai parlé, j'ai encore 25 jeux derrière moi. J'ai eu un don d'une trentaine de jeux de la part d'un de mes cousins. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeux de plateforme, donc vous risquez d'en trouver, mais je pense que ouais, après, vu que là les lives de rétro gaming vont être un petit peu en découverte de jeux, ça va être un peu ric-rac, donc je vous proposerai peut-être soit du Xbox. Bon, c'est plus une question de moyens en final, hein, donc en attendant de ravoir des moyens et puis de racheter d'autres jeux un peu plus en quantité, je vais plus faire de la qualité. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Juste. Tac. Voilà, tac. Je vais plus faire en qualité qu'en quantité, comme ça, ça va peut-être permettre aussi de plus apprécier le jeu. Honnêtement, là, celui-là, j'ai vraiment apprécié. Bah, le jeu ce soir était vraiment bon. Hein. Même les indestructibles, je pensais pas y rester autant. C'est un jeu bon, hein. C'est pas non plus Sly, hein. Je me cache pas. Mais ça reste un jeu qui est sympa à jouer, sans prise de tête. Donc c'est pour ça que, ouais, bonne surprise. Bon, bah, le jeu de tennis, je m'y attendais un peu, mais bon. À la rigueur, par rapport à la semaine dernière où il y avait le jeu de billard, clairement j'ai dit non, c'est même pas la peine, j'ai même pas fini
les parties, et puis je trouvais ça chiant d'attendre que là, bon, ça reste passable. Mais ouais, les Indestructibles, bonne surprise, hein. Bon, graphiquement, c'est pas ouf, mais ça se joue, c'est agréable, moi j'aime bien. Et puis, Sly 2, Association de voleurs, c'est vraiment un coup de cœur. Faudrait que je chope le premier, faudrait que je le chope, mais à mon avis, ça se trouve, il va pas être donné. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce que vous en pensez pour à partir du mois prochain peut-être. Ouais. Si vous avez des jeux auxquels je vous ai déjà présenté, hein, attention, hein, c'est des jeux que j'ai déjà présentés. Vous retrouverez les listes de toute façon sur Discord. Via quoi que vous avez peut-être la liste de mes jeux sur peut-être pas. Je sais pas si vous l'avez sur. Je sais pas si. Je vais pas faire le coup. Je crois pas que je l'ai. J'ai regardé sur. Peut-être que je peux voir sur l'application. L'application. Non, évidemment. Je vais regarder, puis peut-être que vous avez la liste de mes jeux. Sinon, il faut passer par Discord. Il n'y a que par Discord que vous aurez accès à toutes les listes de mes jeux. Alors, ma chaîne, je regarde si j'ai pas. Je sais pas s'il y a. Si à propos, peut-être. Alors, oui, commande, programme Twitch, Discord. Je pense que. Non, il n'y a pas. Donc, oui, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Et puis, il faut vous présenter encore une fois. Hein, je le dis à chaque fois. Mais voilà, c'est important si vous rejoignez le Discord de vous présenter pour qu'on vous attribue des rôles. Comme ça, vous aurez accès aux listes. Et s'il y a des jeux dans lesquels. Vous avez envie de voir, mais des jeux, oui. Ça sont ceux qui sont listés, à part les derniers, mais bon, c'est l'histoire de même pas une dizaine, hein, 4 ou 5. Voilà, il y a très peu de chances que vous tombez sur les derniers jeux, mais voilà, s'il y a des jeux auparavant que je vous ai présentés, mais sinon, regardez les anciens replays. Aussi, vous pouvez faire ça aussi. Regardez les replays retour vers le rétro. Hein. Là, c'est la dernière partie. Hein. C'est la dernière partie de l'épisode 11. Donc il y a 11 épisodes fois à peu près 4 parties, donc il y a encore 44. Vous pouvez vous taper entre 40 et 50, entre 40 et 50, 50 vidéos, hein. Il y en a pour je crois 118 heures de vues. Mais voilà, si vous êtes un mordu de rétro gaming, moi je vous invite à regarder les replays, puis à la rigueur, s'il y a des jeux qui vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à me le dire au prochain live par exemple. Afin que je puisse planifier ça, parce que moi le mois prochain je vais regarder un petit peu. Donc le mois prochain, je vous présente les derniers jeux PS1, ça y est, il n'y en aura plus après. J'en ai pas rentré, j'en ai rentré au mois de décembre, mais là au mois de janvier, ça va être compliqué. Je pense pas que j'en rentrerai au mois de... Je ne pense pas que j'en rentrerai au mois de janvier. Alors, je vais vous présenter les jeux. Alors, j'en ai un. J'en ai rentré un paquet, c'est ça que j'en ai acheté pas mal au mois de novembre, mais c'est beaucoup de Xbox. Ah si, il y a 4 jeux. Donc la semaine prochaine, donc mercredi prochain, hein, on rebascule sur PS1 et je vous présenterai les 4 derniers jeux, hein, que j'ai rentrés. Il n'y en aura pas d'autres. Je vous retiendrai au courant, hein. C'est juste une question de boîtier, hein. C'est pas que je veux pas en racheter, c'est juste que moi je veux changer les boîtiers parce que des fois je les trouve dans des états déplorables et je me vois pas acheter un jeu et puis le voir s'abîmer comme ça si je le change pas de boîtier. Donc oui, il y aura du True Pinball. Alors oui, il y avait du jeu de pinball, hein. Ça peut être pour certains d'entre vous ça vous a traumatisé. Celui-là, il est un peu plus correct, donc voilà, ça peut être sympa. Après, il y a du Raging Skies, donc c'est un jeu de simulation d'avion. Moi, je suis pas fan, honnêtement, hein, je suis pas fan, c'est comme un S-Combat, si vous voulez. Donc, je suis pas un grand fan de cette licence, parce que je suis pas à l'aise, en fait. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas à l'aise à jouer, il faut toujours viser, c'est le curseur, il bouge tout le temps, dans tous les sens, c'est se déplacer dans l'espace en fait qui me perturbe, donc c'est pour ça que j'y arrive pas et que j'accroche pas. Ensuite on aura un Michelin Rally Master. Alors c'est un jeu qui a été édité par Infogrames, vous allez voir, hein.
dis tout de suite parce que je vois ça là-dessus. Vous attendez pas un Verali. Je vais dénigrer les jeux. C'est pas ouf, hein, honnêtement, la prochaine sur PS1, c'est pas ouf. Je faisais avec mon budget, hein, faut pas croire. Hein, mais ouais, c'est des jeux qui valaient quand même facile 5-6 balles. Et c'est vrai que c'est le site aussi qui se prenait une marge. Le site où je les commandais se prenait une marge. Donc voilà, faut pas s'attendre à des jeux de qualité exceptionnelle. Et après, on a un Beyblade, alors c'est pareil, ça va pas loin. Honnêtement, la semaine prochaine, ça risque d'être un petit live. Voilà. Par rapport à cette semaine qui va durer 2 heures, là non, il fera pas 2 heures la semaine prochaine, même s'il y a 4 jeux. Voilà. Ensuite, je regarde vite fait en PS2, qu'est-ce que j'ai. Ah ouais, en fait j'ai que 4 jeux. J'ai que 4 jeux. Et moi ce que je vous propose à la rigueur, enfin non, quoique, vu que là j'ai perdu, ça va faire trop. Non, est-ce que je vais faire, là voilà, ce que je vous propose la semaine prochaine, parce qu'en fait il y aura que 8 jeux, c'est le début, hein. Il n'y a que 8 jeux. J'ai rentré que 8 jeux PS2, PS1. Donc pour l'épisode 12, donc le dernier épisode, hein, faire un mois, ouais, ça fera un an. Ça fait un an déjà. Hein. Ça va faire. C'est ça. Non, à partir de fin. Dans un mois, ça fera un an. Dans un mois, ça fera un an que l'émission existe. Forcément, parce que c'est épisode par mois. Donc là, cet épisode 2 va être en 3 parties. Je vous propose une partie PS1 avec les 4 jeux, parce que franchement, les 4 jeux, c'est pas ouf, ça va pas aller loin. Le jeu de Flipper, sympa. Le jeu de Raining Skies, bien, mais voilà, ouais, moi j'accroche pas. Après, le jeu de Rally, ça peut être marrant, mais voilà, c'est pas un V-Rally, donc ça, je vais peut-être le mettre en dernier quand même, parce que j'aime bien les jeux de caisse. Et Beyblade, c'est pareil, ça vole pas loin. Donc tous ces 4 petits jeux là vont me durer même pas 2 heures, je suis sûr. Mais voilà, donc je fais les jeux PS1 en un live. Et par contre j'ai 4 jeux PS2 que je vais scinder en 2. Je pourrais faire les 4, mais autant scinder et puis en profiter. Puisque j'ai du Top Gun. Alors Top Gun, je sais pas, peut-être que c'est mieux, si c'est peut-être mieux quand même, que plus accessible pour moi en tout cas que Raging Skies. On a du Taz Wanted, ça peut être rigolo, Taz Wanted, donc c'est ça que j'avais testé et j'avais envie de continuer, donc ça sera l'occasion de continuer un peu plus longtemps. Après j'ai un Crash Nitro Kart. Alors Crash Nitro Kart, ouais, voilà, je vous dirai ça en live, hein, mes appréciations. Mais voilà, et un Slide 3, donc la suite de Slide 2. Je sais pas comment je vais faire. Après je pense que je vais faire Top Gun, Slide 3 et Taz et Crash. Je vais peut-être faire comme ça pour scinder, pour équilibrer vraiment, pas qu'il y ait trop de bons, parce que si je mets Top Gun et Taz, ça va peut-être être moins lourd que, enfin un peu léger par rapport à Crash et Slide. Ben voilà, c'est pour info, un Crash Nitro Kart, c'est pas non plus un Crash Team Racing. C'est un jeu sympa, mais c'est faut pas s'attendre à ça. Donc, mais ça reste un jeu correct. Hein. Vous inquiétez pas. Voilà pour ce que je vous propose pour l'épisode 12 de Retour vers le Rétro, et puis après l'épisode 13, ça va changer la donne. Bon, ben il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci encore. Aux spectatrices et aux spectateurs, merci beaucoup à tous, merci à toutes les personnes qui sont venues me faire un petit coucou sur le live, merci beaucoup, ça fait super plaisir, c'est vraiment sympa. J'espère que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain. Bon, ce sera peut-être moins bon, mais voilà, l'ambiance sera toujours la même normalement. Enfin, le streamer est toujours là, il ne changera pas. Et puis moi, je vous invite aussi à me retrouver lundi prochain pour la suite de Star Wars, l'Empire de la Force. Hein, j'avais fait un petit live sympa, j'ai bien avancé lundi dernier. Donc n'hésitez pas, hein, sur PS3, c'est pareil, joueur PS3, j'y pense. Pour vous rassurer, j'y pense, joueur de Call of Duty, GTA aussi, pourquoi pas, mais plus Call of Duty.
Je sais que vous êtes nombreux sur cette chaîne à aimer Call of Duty. Je ne vous oublie pas et je pense revenir le plus tôt possible sur Call of Duty. Il faut juste que j'arrive à m'organiser. Voilà, c'est tout. Ce sera un soir, c'est sûr, ce sera le soir. Un petit Call of, une heure par semaine. Ne serait-ce que proposer une heure de multi sur un Call of. Il n'y aura pas de caméra, hein, ça fera comme avec Star Wars. Mais voilà, j'y pense. Promis, je reviendrai. Je sais pas quand, mais je reviendrai sur Call of. Au moins. Et puis, bah après, voilà, ça reviendra. Il y aura aussi du GTA. Mais promis, pour vous, pour continuer à vous fournir du contenu qui aussi vous intéresse, je reviendrai et je me penche sur la question de savoir quand et comment. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Allez, bah je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, une bonne nuit, et puis bah je vous donne rendez-vous lundi. Allez, salut !